Faites des promos sur les Yukata? Entrez, entrez. Promo à l'intérieur. Irashaimase!
Bonjour. Vous ne me connaissez pas. Je suis Elisabeth. Mon mari et moi, nous avons une affaire délicate à régler. Nous aurions besoin de vous. Qu'est-ce qu'elle a de si délicat, cette affaire? Je préfère vous en parler de vive voix, si ça ne vous fait rien. Peut-on se voir? Je peux pas, là. Je suis débordé. Je préfère pas prendre de boulot, en plus. Je vois. Je ne vous cache pas que c'est urgent. Mais cela pourra attendre quelques jours. Nous aimerions vraiment travailler avec vous. Rappelez-moi si vous nous trouvez un créneau. J'ai terminé mes repérages. D'après le son de ta voix, ça s'est bien passé? Tout est en place. Je t'envoie les coordonnées. Rejoins-moi aussi vite que possible. Thank you.
Excellent timing. Alors, quoi de neuf? Je pense qu'on peut s'y mettre. Le complexe est bien gardé. Mais on devrait s'en sortir. Les chars sont dans l'entrepôt principal. Ta tâche va être simple. Tu dois juste entrer. Ah, comment? Aussi discrètement que possible. Mais c'est toi, le voleur. Je vais me fier à tes talents. Une fois dedans, tu localiseras le plus grand char. Et tu infecteras son système. Et toi, tu seras où? Je vais faire diversion. Ils ne doivent pas découvrir nos projets. Tu sais ce qu'Arasaka déteste le plus? Ce qui les énerve? Les pannes de communication qui les empêchent d'échanger. Ils sont les premiers à crier au sabotage. Daikon Lanza. Je reste à l'écoute. Thank you.
J'ai peut-être une activité suspecte. C'est quoi cette merde ? Va voir ce qui se passe. C'est quoi cette merde ? J'y suis! Oui, j'ai entendu! Tu devais rester discret! Ça s'est pas vraiment passé comme prévu! Je vais essayer de les distraire! Fonce jusqu'au char! Tu pourras pas te cacher! Tu ferais mieux de te montrer! Tout le monde en alerte! Il est dans le secteur! Éparpillé en petits bouts!
char est à vie. Tu pourras voler avec lui ce que je veux. Ça a marché. Excellent travail, V. Ok, et maintenant? Maintenant, on retourne dans l'ombre et on s'arme de patience. Je te contacterai avant le défilé. D'ici là, tâche de ne pas t'attirer davantage d'ennui. Oh, je suis plus à ça près, tu sais. Je te rappelle. Fais attention à toi, V. V, je suis contente que vous rappeliez. J'espérais que vous finiriez par vous raviser. Vous êtes prêt à venir me voir pour parler du contrat? Ouais, on va faire ça. Je vous envoie l'adresse. Au revoir.
C'est Stan ! Avec vous ! Le soleil est couché, mais j'espère que vous êtes toujours debout ! Le roi est mort. Vive le roi ! Après le décès tragique de Saburo Arasaka, c'est son fils, Yorinobu, qui reprend les rênes de la compagnie en tant que PDG. Mais, contente que tu répondes, je vais peut-être avoir besoin de ton aide. Peut-être. Bon, ok, j'ai vraiment besoin de ton aide. On peut se voir ? Dis-moi juste où et quand. Ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Viens au camp des Aldecaldos. Je vais tout expliquer. Les Aldecaldos ? Je pensais que vous traîniez plus ensemble. Écoute, c'est une longue histoire. Ramène-toi. Je t'attends. Mais ne vous fiez pas à ce que je dis. Sortez ! Vous êtes V ? Montez dans le véhicule, je vous prie. Ok. Bonjour V. Je suis Jefferson Perlez. Vous avez déjà parlé à ma femme, Elisabeth. Alors, vous avez quoi à me proposer ? Carter, en route. Vous aimez aller droit au but. Mon temps est précieux. Tout comme le vôtre, je pense. Que je sache, l'affaire a été classée. Pour
Pourquoi vous croyez que les flics se sont plantés? Vous avez des preuves? D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je me demande plutôt ce que tu fous là, toi. Eh, c'est aussi mon cerveau, non? Et que je vous reprenne pas à mater les filles, c'est le maire que vous devez surveiller. Vous travaillez pour la mairie. Essayez de vous comporter correctement. Arrêtez-vous! River Ward, NCPD. Un flic? On le laisse entrer? Il peut attendre. C'est important. Je dois parler au chef de la sécurité du maire. Vous lui parlerez après la conférence. Et que je vous reprenne pas à mater les filles, c'est le maire que vous devez surveiller. Vous travaillez pour la mairie. Essayez de vous comporter correctement. C'est qui ce Holt? Aucune idée. Pour moi, c'est tous des tronches de clowns. Arrêtez-vous! River Ward, NCPD. Un flic? On le laisse entrer? Il peut attendre. C'est important. Je dois parler au chef de la sécurité du maire. Vous lui parlerez après la conférence. Le flic voulait dire un truc à la sécurité. Ouais, enfin il était surtout là pour lécher le cul de Ryan. Vous lui parlerez après la conférence. Le terminal a planté juste au moment où il passait le contrôle. C'était pas un bug accidentel. Ah, j'ai vu des coïncidences plus bizarres. Comme s'envoyer une gonzesse, puis sa sœur dans la même nuit, et découvrir qu'elles sont toutes les deux bonnes sœurs. Ça t'est vraiment arrivé? Non. Mais ça aurait pu. On aurait pu chromer la moitié de la ville avec tout ce qu'il portait. C'est sûrement ce qui s'est passé. Son corps a disparu de la morgue, ni vu ni connu. Et après, un flic pourri a dû se payer une nouvelle caisse et un costard affreux. T'es sûr de ça, ou tu racontes encore de la merde?
Quand on a vu tout ce que j'ai vu, on n'a plus besoin d'être sûr. On sait, les gens sont pareils, partout. Ok, donc tu racontes de la merde. Regarde, ils sont partis quelques secondes avant l'attaque. On dirait que tout était planifié. Ou peut-être que le cyberpsycho en a juste profité. Tombe pas trop vite dans la parano. Ma téléfille, c'est... C'est le maire que vous devez surveiller. Travaillez pour la mairie. Essayez de vous comporter correctement. C'est la deuxième conférence en 3 jours. Je ne comprends pas ce qu'il y a de si urgent. C'est pour ça que c'est moi le maire, et pas vous. C'est maintenant qu'il faut se montrer. Vous allez complètement vous épuiser. Je me reposerai ce soir. Ma chambre au Red Queen's Ray, c'est-elle prête? Oui, bien sûr. Bien. Laissez-moi. Je dois répéter. Le Red Queen's Race. Ce nom ne te fait pas percuter les neurones? Si, ça me rappelle des gars en perruque blanche hurlant « qu'on leur coupe la tête !» Tu peux dire « j'en sais rien » au lieu de raconter des conneries. Tiens, tiens. Stop ! Attendez ici ! Arrêtez-vous ! Je dois parler au chef de la sécurité du maire. Vous lui parlerez après la conférence.
cette joie. Bon, je dois parler au chef de la sécurité du maire. Vous lui parlerez après la conférence. Après la conférence. Cet air, il ne dit rien. Quel air? Est-ce qu'il fredonne? Moi, j'appelle pas ça un air. Il aime bien, en tout cas. Faire plus que la baie de Coronado en plein juillet. Ah. Est-ce que vous avez des questions? Le flic qui a sauvé Ryan. Vous avez des infos sur lui? L'inspecteur River Ward. Un type bien. On a travaillé sur quelques affaires ensemble. Je peux vous mettre en contact si vous voulez. Eh ben, Ward est arrivé au bon moment. Soit il a une veine de cocu, soit il a de bonnes infos. Il va me falloir un peu des deux. C'est certain. J'ai ses coordonnées. Et s'il vous faut autre chose, faites-le nous savoir. Vous vous trouvez à l'endroit précis où j'ai perdu le contact avec l'un des véhicules. Ok. Je vais le chercher. Je m'appelle V. J'enquête sur la mort de Lucius Ryan. Je me demande pourquoi. T'es pas flic. Jefferson et Elisabeth Perales m'ont engagé. Le futur maire s'intéresse à la mort prématurée de son prédécesseur. Intéressant. Moi aussi, j'ai trouvé des choses intéressantes en creusant un peu. D'accord. Je suis en route vers le Chubby Buffaloes. J'arrive tout de suite.